Hey, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, enfin je tiens une petite crème, rien de bien méchant, et surtout pas quelque chose qui m'empêchera de faire la vidéo d'aujourd'hui. Vous en êtes peut-être douté avec les vidéos qui sont sorties il y a pas trop longtemps sur les chaînes des copains YouTubeurs, et également avec le titre de cette vidéo potentiellement. Avant de vous en parler plus, je vous mets juste un petit rappel de la FAQ, une question que vous m'aviez posée, et vous allez voir que ça a beaucoup beaucoup de liens entre les deux. Est-il prévu que tu participes au club Yu-Gi-Oh! L'émission de Zulu? Ce serait génial de t'y voir, toi qui es fan de rétro. Alors en vrai, moi j'ai prévu d'y participer depuis super longtemps. Est-ce que eux ils ont prévu de m'inviter? C'est un tout petit peu plus compliqué de ce côté-là. Voilà, il y a quelques temps, vous m'aviez posé cette question-là. Est-ce que j'irais jouer sur le stream un jour? Est-ce que c'était prévu? Dans ma tête, j'espérais le faire un jour, mais voilà, j'ai encore que 1400 abonnés. Alors que ça peut paraître péjoratif, mais absolument pas. C'est énorme pour moi. Mais je sais très bien que 1400 abonnés, c'est pas beaucoup par rapport à beaucoup d'influenceurs. Et bah, j'avais envie d'y aller, mais sans trop d'espoir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vais tout simplement vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi je suis extrêmement content aujourd'hui de vous parler de tout ça et de vous annoncer tout ça surtout. Alors tout a commencé avec simplement un message d'un autre influenceur qui m'a envoyé un message tout simplement en me demandant mes coordonnées et en me disant que c'était pour Konami. Donc dans ma tête c'était déjà genre waouh, c'est quand même plutôt stylé, tu vois. Et puis bah, pendant un petit moment j'ai pas eu de nouvelles, tout simplement. Je me suis dit bon bah c'est peut-être un projet qui n'était pas abouti, enfin voilà, je me suis pas trop inquiété, encore une fois je voulais pas faire le forceur ou quoi que ce soit, donc je me suis dit bon bah voilà, dans le pire des cas mes coordonnées ont sûrement été données, si jamais un jour il y a quoi que ce soit, bah, j'aurai sûrement des nouvelles plus tard, enfin, on verra bien. Et puis un soir, j'ai reçu un message juste ouf, qui me disait en gros, le 19 mai, on organise un tournoi Speed Duel avec 24 joueurs, dont des gros gros noms que vous avez déjà pu voir sur l'annonce le stream, dont Doc7, Zari, Jiraya, Zulu, etc. Et ben Monster Reborn est convié, voilà, pour participer, pour venir jouer dans ce tournoi. Et ça, c'est vraiment, voilà, l'une des meilleures, alors peut-être sûrement la meilleure chose qui puisse m'arriver sur cette chaîne, parce que bah, ça fait moins d'un an que je l'ai ouverte, et en un an j'aurais jamais pensé avoir cette opportunité-là. Et puis bah, surtout c'est genre le truc de ouf, enfin voilà, c'est un truc de ouf en soi tout court, je vais sûrement redire ça plein de fois pendant la vidéo, mais c'est vrai que c'est vraiment le truc le plus cool voilà, c'est un truc de génie, c'est génial quoi, tout simplement, point. Donc quand j'ai reçu ce message, dans la réalité, il s'est sûrement passé ça. Ah, bon. Ça, c'est ce qui s'est sûrement passé dans la réalité, ce que sûrement ma copine a pu voir. Dans ma tête, c'était pas tout à fait la même chose. Voilà ce qui s'est passé. Ça vous donne une petite idée de l'ampleur et de l'importance que ce truc a pour moi. Je suis extrêmement content d'y aller. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des personnes que je regarde tous les jours. Je pense à Doc7 par exemple, chaque fois qu'il sort une vidéo, ben, je vais la regarder. C'est pas pour faire du lèche-bot dans la vidéo ou quoi que ce soit. Je suis ses vidéos depuis qu'il a fait une vidéo avec Poisson Fécond lors de son déménagement. Je crois que sa chaîne n'était même pas encore ouverte ou elle venait juste d'ouvrir. Mais c'est pour vous dire depuis le temps que je le suis et du coup enfin le rencontrer dans un contexte Yu-Gi-Oh! etc. Ben, c'est juste cool. Xari, Zulu, que je n'ai jamais vu et pourtant que je regarde jouer régulièrement sur les streams, et bah, Jiraya. Alors Jiraya, je l'ai déjà rencontré, enfin, du moins je l'ai. Vous allez voir, c'est pas tout à fait une rencontre. En gros, j'étais à la Gamer Assembly 2017, ça doit être 2017 ou 2018, c'est l'un des deux. Et j'étais sur un des stands, notamment le stand Corsair, et je discutais avec le mec de la marque, on échangeait sur certains produits, etc. Et en gros, il y a beaucoup de monde dans ce genre d'événement, et un mec est passé, m'a bousculé, mais alors, pas m'a poussé, mais vraiment m'a bousculé, et j'ai juste entendu « Pardon !» Et je me suis retourné, en fait c'était Jiraya, tout simplement. Donc on s'est pas vraiment rencontré, mais en soi, voilà, on s'est déjà vu quand même d'assez près, vu que bah, j'ai dû faire 1 mètre parce qu'on m'a bousculé, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était quand même trop trop cool de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Et aussi, et franchement, ça fait presque autant plaisir, voire peut-être même plus, rencontrer des personnes avec qui je discute depuis bah, maintenant pratiquement 1 an, depuis le début de l'ouverture de ma chaîne, des personnes comme Obscurity, des personnes comme Youbel, des personnes comme Dark Magicien 69, des personnes qui font simplement des vidéos YouTube avec qui on échange. D'ailleurs, la Team Ixid a sorti une vidéo où il parodie un petit peu Monster Reborn. Je vous mets le lien soit en haut, soit dans la description, je verrai au moment du montage. Mais voilà, c'est des personnes avec qui j'échange régulièrement, et le fait de enfin pouvoir les rencontrer, bah, c'est juste trop cool. Pareil, voilà, il y a plein d'autres personnes qui sont invités, parce qu'il y a 24 joueurs au final. Je vous dévoilerai pas les noms, vous verrez bien au fur et à mesure, ou le 19. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle, et je vais enfin rencontrer Youbel, je vais enfin rencontrer Obscurity, je vais enfin rencontrer Xari, je vais enfin, voilà, c'est un truc de ouf. Et tout ça autour de cartes Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est vraiment le truc absolument génial, c'est que c'est un tournoi Speed Duel. Donc c'est un tournoi où on va jouer, je vais passer en live sur les streams pendant cette journée du vendredi, du dimanche 19. Donc
Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est juste ouf et je suis tellement content de enfin pouvoir vous l'annoncer, ça c'est vraiment exceptionnel. Alors la partie bonne nouvelle a été annoncée, il y a quand même pas mal de petites merdouilles qui me sont arrivées au fur et à mesure de cette annonce. Donc en fait, évidemment, ça se passe à Paris, dans les locaux de Webedia, puisque le stream fait partie de Webedia. Et du coup, bah, naturellement, il faut prendre un hôtel, un train, etc. Donc moi, j'y vais avec mon beau-frère et on s'est dit, bon, on va faire les choses bien, on va prendre le billet de train à l'avance, l'hôtel à l'avance, chose qu'on n'aurait jamais fait de notre plein gré à la base. Mais on s'est dit, pour une fois, on va essayer de faire les choses bien, donc... c'était un dimanche, on est en train après manger, on se dit bon, vas-y, on s'en occupe, on regarde, on prend le billet de train, on prend le billet d'hôtel, je communique sur le fait, enfin aux autres personnes qui sont invitées sur le fait que ben voilà, j'ai réservé et que ben, moi je suis grave opérationnel pour venir, et je reçois un message, vous occupez pas du train, on s'en occupe. On venait de le prendre, voilà. Donc on se dit c'est pas très grave, on va aller annuler le billet. Je clique sur le téléphone. Je clique là, comme ça, et je vois quoi ? Non, les billets ne sont pas remboursables. Donc, première lose. Donc, on discute. Finalement, j'étais pas les seuls. Voilà. Donc, finalement, c'était pas le train qui était dont on s'occupait. C'était dont Konami s'occupait. C'était l'hôtel, tout simplement. Et donc, du coup, je me dis, bon, moi, je vais annuler l'hôtel. Finalement, on paye le train. On s'occupe pas de l'hôtel. Bon, voilà, c'est quand même plutôt cool. Et j'ai reçu ce message-là. Voilà. Dernière partie de la vidéo que je fais avec vous, c'est tout simplement la présentation de mon deck. Voilà, donc c'est peut-être pas une bonne idée vu que ça reste un tournoi, mais en même temps c'est grâce à vous que je peux faire ce tournoi parce que ben, c'est grâce aux abonnés, etc. Grâce au fait que vous me suiviez, que ça m'encourage à faire d'autres vidéos, etc. Donc je me dis que c'est une bonne idée de vous présenter mon deck, de vous expliquer un petit peu ce que je compte jouer, ce fameux 19, et puis ben, également avoir vos retours, savoir ce que vous en pensez, ce que vous imaginez vis-à-vis vous de ce deck-là, et puis ben, voilà, vos différentes impressions, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la seconde caméra, je vais filmer avec mon autre téléphone, celui qui est juste ici, qui n'est habituellement pas le téléphone, c'est celui qui me sert d'habitude à filmer la caméra visuelle, donc peut-être que la qualité sera pas tout à fait aussi bonne, mais au moins j'aurais pu vous présenter le 2 avec ma tête qui s'affiche quelque part. A tout de suite. Donc voilà, j'ai dû éteindre une de mes lumières, c'est pour ça que c'est un petit peu plus sombre que juste avant, tout simplement parce que ça faisait un reflet dans mes cartes et dans les sleeves en tout cas, et du coup ça posait un petit peu problème. Donc ça c'est mon side, je vous en parlerai juste après, hop, et je vais vous présenter mon deck, donc on va essayer de faire l'autofocus, nickel. Et c'est tout simplement un deck Toon, voilà, vous me connaissez, vous savez que j'adore les Toon, et bah, j'avais l'occasion de les jouer pour ce format, donc je me suis dit, bah go, voilà, vraiment, c'est l'occasion, donc je vais le jouer. Donc, je vais jouer deux crânes invoqués Toon. L'avantage des inconvénients, l'avantage, c'est que moi, je vais commencer avec la skill dans le monde des Toon, donc en gros, je commencerai avec 3000 life points au lieu de 4000, mais par contre, j'aurai directement ma carte monde des Toon activée sur le terrain. Et du coup, l'avantage de ces cartes-là, alors j'ai un petit problème d'autofocus, on va essayer de voir si je peux faire quelque chose... Tac, c'est pas trop mal. Ok, l'avantage de ces cartes-là, c'est simplement qu'elles peuvent être invoquées spé. Alors, sur le crâne invoqué, il faut quand même sacrifier un monstre, mais ça reste une invoque spé. Sur la sirène, je vous en parle juste après, ça reste juste une invoque spé, donc ça c'est plutôt intéressant. Je paye 500 life points à chaque fois qu'il attaque, mais je peux attaquer directement les life points. C'est plutôt pas mal, 2500 d'attaque, voilà, c'est une carte assez sympa. J'ai parlé de la sirène Toon, ben je la joue x3, voilà. Je la joue x3 tout simplement parce qu'elle peut être invoquée spé, donc c'est vraiment une invoque gratos. Et puis, ben pareil, voilà, la 1400 d'attaque, c'est quand même pas trop dégueu. Et vous allez voir que j'ai quand même un peu moyen de la booster. En termes de monstres, je joue celui-ci. Alors, sachant que ces cartes-là sont, enfin, tous les Toons en fait, sont détruits. Ces cartes-là ne peuvent s'invoquer que si le monde des Toons est activé. Celle-ci, elle peut s'invoquer même si le monde des Toons n'est pas présent. Et toutes les cartes sont détruites sur le terrain si le monde des Toons est détruit. Donc voilà, celui-là, il est, on peut l'invoquer sans le monde des Toons. Il a un effet, c'est que celui-là, si je tape les life points de mon adversaire, je peux draw 1-1. Et puis voilà, il a 900. La position de défense peut être assez intéressante. Et c'est les seuls monstres que je mettrai dans ce deck-là. Faut se rappeler que c'est un deck au format speed duel. Donc le speed duel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un format de jeu avec simplement 20 cartes dans le deck, un peu comme Duel Links pour ceux qui connaissent le jeu vidéo sur mobile. Donc voilà, c'est un petit peu ce format-là, enfin c'est totalement ce format-là même, c'est un format qui est sorti il y a quelques mois avec à travers bah, du coup une édition de booster et trois decks de structure ou de démarrage, je sais plus. Un Ryoku, pourquoi ? Parce que bah, comme je vous disais tout à l'heure, mes monstres sont assez faibles par moment, donc bah, le fait de pouvoir diviser par deux et augmenter par deux, sachant que moi je peux taper directement dans la life point, c'est quand même assez intéressant. Un monde des Toons, pourquoi? Parce que bah, si tu me pètes celui-là, j'en aurai toujours un en secours. Un doppelganger, le mimétique. J'en ai mis un dans le side qui est juste ici. Je vous en reparle juste ici, là. Je vous en reparle pourquoi? Parce que c'est une carte qui permet tout simplement, si je contrôle le monde des Toons, d'aller chercher une carte dans le cimetière de mon adversaire. Si c'est un monstre, je l'invoque. Si c'est une carte magie piège, je la pose. Ça peut être intéressant, ça peut être assez situationnel, mais en fonction des decks contre quoi je joue, ça peut être assez cool.
Notamment, bah, par exemple, je sais pas, l'adversaire fait un move, moi je suis tour 1, il a envoyé un monstre au cimetière pour X raison, défausser une carte ou je ne sais quoi, j'active ça, ma skill, j'active Doppelganger mimétique, je récupère son monstre, je le sacrifie, j'invoque crâne invoqué, de tour 1 pour moi et j'ai déjà un monstre à 2005, ça peut être plutôt cool. Robin Minage Toon, pourquoi? Parce que je tape directement dans les life points, donc le fait de taper deux fois, ça peut être quand même plutôt cool. La force de ce deck-là, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, c'est que je joue 3 tables des matières Toon. Pourquoi? Parce que tout simplement, je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je joue 10 cartes Toon dans un deck de 20, et je joue 3 cartes qui me permettent d'aller chercher des cartes. Donc en gros, sur un deck de 17, finalement, j'ai quand même pas mal de possibilités d'aller chercher mes cartes. 3 Kunai avec chaîne. Alors pourquoi Kunai avec chaîne? Tout simplement parce que je trouve que c'est cette carte qui est déjà assez forte, sachant que je vais avoir plusieurs possibilités de l'activer. Je choisis soit je cible lorsqu'un de mes monstres à l'adversaire attaque, et je le passe en position défense, tout simplement. Donc ça peut être juste cet effet là, ou tout simplement un de mes monstres gagne son attaque en s'équipant de cette carte là. Donc ça peut être pendant mon tour, j'active cette carte là, mon monstre gagne 500, le tour où il peut attaquer directement les life points par exemple, je tape et c'est quand même plutôt cool. Soit je me protège et je me booste en même temps, enfin voilà, ou juste je me protège, enfin voilà, on verra, ça peut être quand même assez intéressant. Et voilà, pour la protection également, j'ai prévu la Tornade Violente, donc c'est une carte qui, lorsque je l'active, je cible une carte magie de piège sur le terrain, je la détruis, sachant que c'est face recto. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si jamais cette carte-là, le contrôleur peut poser à nouveau une carte, et si jamais cette carte-là est détruite, ben, je sais pas, je peux cibler une carte sur le terrain, donc cette fois, c'est pas qu'une carte magie piège, et je la détruis. Donc c'est quand même assez fort, ça fait le ménage. Si tu essayes de détruire cette carte-là, ben, je peux détruire une des tiennes, donc ça peut potentiellement te mettre en danger. Et moi, avant d'attaquer, ben, je peux essayer de détruire tes cartes style Tempête et Dakar, ou ce genre de choses, ou Kunai avec chaîne, pour l'adversaire, par exemple. Donc ça, c'est la partie deck. Voilà, c'est un deck, alors il n'est pas encore fixé dans l'idée, c'est de plus ou moins le jouer comme ça. J'attends un petit peu vos retours, savoir ce que vous en pensez, et puis j'ai quand même quelques petites idées dans ma tête, faut que je fasse des tests pour voir ce qu'il en est. J'ai prévu un petit side de 5 cartes, donc un deuxième Ryoku si vraiment je tombe contre un deck qui joue des gros monstres, un exorcisme, peut-être deux, voilà, j'en suis pas certain. Un Doppelganger, pourquoi? Parce que c'est vraiment très très fort en fonction du deck. Si je joue contre un deck qui envoie beaucoup de cartes au cimetière, bah, ça peut être intéressant d'aller les récupérer. Et deux brouilleurs de magie, pourquoi? Parce que bah, l'idée, ça va être de protéger mon monde des Toon sur mon terrain. Voilà, tout simplement parce que si mon monde des Toon pète, mon deck il est un petit peu compliqué, même si j'ai quand même ces trois fameuses cartes-là qui me permettent d'aller en chercher un nouveau si j'ai besoin. Si tu me pètes deux mondes des Toon, à part celle-là, et encore, elle pourra pas attaquer les life points directement si le monde de Toon n'est pas sur le terrain. Voilà, ça va être déjà plus compliqué pour moi. Je pourrais peut-être m'en sortir, on verra ce qu'il en est, j'en sais rien. Mais voilà, voilà, cette petite vidéo est terminée. J'ai essayé de vous partager un maximum de choses, des anecdotes, des infos, ma joie tout simplement de vous partager cette vidéo-là. J'espère que voilà, ça vous fait plaisir également. J'espère que vous serez présents le 19 à laisser des petits commentaires et que moi, je pourrais vous reconnaître si vous avez le même pseudo Twitch que le même pseudo YouTube. J'essaierai de faire un récap et puis j'espère que je pourrai faire quelques vidéos sur place avec avec les personnes que je vous ai listées tout à l'heure. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, perso, je suis ultra content d'avoir pu la faire. Et puis sur ce, les potes, faites de nombreux duels et collections de cartes. Prenez soin de vous. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao.